de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Jérôme Béglé. Ben, c'est les 7 d'or hein, ce soir chez toi. Chez moi. Tu vas bien? Bienvenue chez moi. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ah, des mecs qui font pas de télé, ça se repose. Ça repose. Tu fais ces soirées télé ce soir, il n'y a plus d'écrivains. A... L'entrée c'est soirée télé et puis un peu plus loin c'est soirée écrivain. Ah chouette, ils se parlent pas toujours. Jamais, jamais. Non, jamais. Grande incompréhension entre la télévision et les intellectuels. Ici c'est les gens pas sérieux. Les sérieux c'est juste là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? J'aimerais te présenter un ami, oui. Luc Labose. Moi je l'ai déjà vu ici d'ailleurs. Il fait une émission sur M6 qui est absolument géniale pour le sport. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. C'est les 7 d'or ce soir, hein? Oui, on dirait. Ouais, non, d'habitude, il y a des écrivains, des chanteurs. Là, non, c'est que la télé, hein. Ouais, il baisse Béglé, hein. Il baisse. Ouais. Si on veut. En fait, il y a plus de filles depuis que c'est la télé. Il y a un homme qui se déshabille. Que fais-tu là-bas? Pardon? Mêle-toi à tes invités. C'est pas présentement. Je l'ai déjà vu, mais je sais plus où. C'était peut-être pas dans ce sens-là, c'est pour ça. Tourne, tourne. Ah oui, peut-être, là ça me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? C'était fort, il n'y a que des gens de télévision ici. Oui, regarde, tu as vu ma dernière émission. Enfin, quelqu'un que je connais. Ah oui, ça c'est vrai, t'es mieux sur ta tribune. Ah oui, je te jure, allez, je tiens pas. Allez, allez, tiens, mon verre. Allez. Non, t'as juste ta coquette. Non, mais non, moi, c'est, si tu enlèves ton pull, j'en ai mon pull. Dis-lui de quoi je t'ai parlé, tu peux le dire. Si j'enlève mon pull, tu fais ce qu'on a dit qu'on allait faire. L'amour? Oh non, je le fais si mal, non, non, non. C'est gênant. On parlait d'amour, en fait, avant que tu arrives. Oui, j'ai lu tes exploits dans Voici. Oui. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles plus? Bah évidemment. Ah, bon journal. C'est un homme élégant, tu sais, discret. Non, mais là, c'est plutôt une attitude de femme. Laquelle? Le fait de ne plus appeler à partir du moment où tu sais qu'il y a un amant ou une maîtresse. Tu savais pas qu'on était des femmes, Tadei et moi? Ça, c'est très capricornien. Nous sommes de grands capricornes féminins. Enfin bref, Nav est amoureux et ça le rend beau. Ah, dis donc. Ça, c'est... J'ai rien à rajouter. Qu'est-ce que Patrick Besson fout avec Gonzague Saint-Brie? Demande à Gonzague Saint-Brie, pas à Patrick Besson, parce que Patrick Besson, je sais ce qu'il fait avec Gonzague Saint-Brie. Viens voir, viens voir, j'ai un truc à te demander. Qu'est-ce que tu fais avec Gonzague Saint-Brie, toi? On parlait business. Ah, non, là, je on parlait argent et tout. Tu saurais quand même. Qui est cette femme? Je sais pas, je connais pas toutes les femmes ici. Ouais, moi, je suis maquée et fidèle, alors ouais, je connais pas toutes les femmes ici. En plus, vous êtes très très belle, donc pourquoi vous me fuyez? C'est gentil, merci. Je vais vous retrouver tout à l'heure. Jamais le temps d'aller dormir. Frédéric Tadei, c'est l'homme qui monte en télé, qui fait des choses inventives, créatives. Comme vous. Beaucoup. Et il paraît que TF1 vous est en train de vous recruter ou non? C'est étonnant, il ne recrute pas les gens inventifs. Il paraît que Moujotte est fou de vous. Hein, il est sérieux? Il est trop cher. Il veut vous profiter une troisième partie de soirée. Il est trop cher pour une quatrième partie de soirée. Si. Vous savez qu'à TF1, on parle beaucoup de vous. Hein. Ça me ravit. C'est Tadei, votre nom? Si on peut s'y retrouver un jour, je serais ravi. Mais... C'est Tadei? Il vaut mieux qu'on prenne rendez-vous pour dîner tout de suite. Je crois que c'est un plus vite. Encore un dragueur. Qu'est-ce que vous regardez là? Les yeux, le nez, la bouche, les dents? Je regarde tout, je ne m'en lasse pas. Non, parce qu'il faut vous dire qu'avant, ici, c'était un salon littéraire. Ah oui? Et maintenant, il n'y a plus que des gens de télé. T'as connu le salon littéraire? Ah, bien sûr, j'étais un des fondateurs du salon littéraire. Voilà. J'ai un des derniers représentants du salon littéraire. Un des derniers. Mais finalement, je préfère quand c'est le salon de télé, c'est mieux finalement. Il y a plus de filles. Hey, depuis que c'est télé, il y a plus de filles. Ah oui, vous n'êtes pas encore une relique. Non. Ça viendra. Ça viendra. Bon alors? Vous connaissez Daphné? Daphné, non. Très bonne journaliste. Adorable. Et puis quelle physique? Je suis en train de penser à nous deux, là, Delphine et à moi.
en écoutant Frédéric Daphné, pardon. Mais c'est parce qu'on n'est pas amis encore. Donc, C'est Daphné Rouillé. Non, Delphine, c'est, Delphine c'est le prénom de sa femme. Tu vois, mais je pense que c'est, si... C'est la position, mais c'est pas le bon prénom. Et alors donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Et donc, j'étais en train de penser, même si Delphine, d'ailleurs, la femme de Frédéric était là, je pense qu'elle serait dans la même situation que Daphné et moi, c'est-à-dire que Frédéric peut dire des grossièretés, Besson peut en dire également, et nous, on ne peut pas. Voilà. Et alors, soyez vulgaire, vite. En fait, c'est normal que vous ne connaissiez pas, vous passez la même heure, vous deux. Ah, c'est pour ça? Non, elle passe après moi. Tu passes à quelle heure? 19h30. Voilà, moi j'ai terminé à 19h. Ah oui, tu la regardes pas, t'es quand même là. Non. Ne regarde pas Nagui. Toi non plus. Ne regarde pas Nagui. Il y a Daphné qui est là. No comment. Moi je dis rien. Elle pense très fort à son salaire. Une ambiance de débauche qui règne. Qui non, mais de toute façon, oui, mais il y a un truc qui est bien, c'est que personne ne le verra. C'est ça qui est bien. Non. Ouais.